Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Calion, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 de notre aventure sur Dragon Ball Xenoverse numéro 2. Et oh putain, quel pec! Oh, mais quel pec, c'était incroyable ça! Et du coup, eh bien aujourd'hui on va continuer l'histoire du scénario de Freezer, mais avant, parce que je sais pas ce qui m'est passé par la tête il y a longtemps quand j'ai changé de qui quoi, mais il y avait des trucs, c'était sacrément de la merde. Du coup, ça, on va le faire partir, voilà. Et ce que l'on va prendre, ouais, on va prendre ça parce que vous savez à quel point j'adore les quoi de Beerus. D'ailleurs, non, c'est celui-là, ouais. C'est plutôt celui-là. Et au niveau de l'ultime, on va prendre autre chose. Celui-là, l'ultime de Beerus. Là, on va être un petit peu cheaté. Par contre, juste avant de reprendre le scénario de Freezer, donc, il y a quelque chose qui m'attend à la livraison espace-temps. Alors, je sais absolument pas ce que c'est, je sais que c'est là depuis l'image. Vu que j'ai pas joué, comme je l'ai dit, depuis novembre, je ne sais absolument pas de quoi il en retourne. Donc, on va regarder. Récupère un cadeau. 6 ! Attends. 6 ? Cadeau utilisateur. J'ai pas de pote, donc forcément, j'ai pas de cadeau d'utilisateur, moi. Et pas de copain. récompense meilleure performance. D'accord. Eh bien écoute, je prends. Les médailles pétées, ça je prends aussi, c'est très important. Costume branché, bah je prends. Bah, écoute, je prends tout. Hein. Voilà, je prends. Oui. Merci à toi. Les médailles pétées, c'est très utile pour lorsqu'on est le week-end en fait, puisque cette boutique n'ouvre que le week-end. Et c'est pour acheter des, comment dire, des trucs particuliers que vous ne trouverez pas en magasin en fait. Et c'est donc, il faut attendre tous les, comment dire, tous les week-ends pour le faire. Donc à partir de vendredi, bien sûr, jusqu'à dimanche, voilà. Alors, le point du dragon, je pense, enfin à l'époque en tout cas, c'était mon objectif. Et quand je vois mes médailles, c'est chaud, c'est un peu chaud. Alors, je sais pas si j'en ai plus dans ma partie à moi avec mon guerrier Freezer. Je pense, mais de toute façon, comme j'ai dit, je pense que je vais faire l'histoire principale avec Yamete, puis les quêtes parallèles, je les ferai avec mon autre personnage dans des vidéos qui suivront. Et les entraînements, pareil, je sais pas trop comment on va faire, en vrai. Parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu mon perso Freezer, Doras Freezer, qui est vraiment trop cool. Du coup, je vais rien acheter. Non, j'ai rien acheté, je pense pas. On est bien comme on est, va. Bon. Et bien, du coup, on va pouvoir retourner dans l'espace-temps. Enfin, retourner dans la crypte du temps, plutôt. Pour mettre un terme au règne de Freezer une bonne fois pour toutes. Enfin, normalement. J'ai pas spoil, c'est pas vrai. J'ai rien spoil, arrêtez. C'est pas vrai. C'est faux. Allez, on est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou. Salut à toi, papy! Allez, c'est parti, on va affronter Freezer déjà en forme finale. C'est dommage d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'on ne puisse pas les... Enfin, affronter toutes ces formes en fait. Un peu comme dans les Budokai Tenkaichi et les Budokai, parce que c'était vraiment sympa. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas. Donc on va devoir s'y faire. Bon, je vais pouvoir vous montrer aussi quelques Kikwa plutôt rigolos. Enfin, vous les connaissez déjà, hein. Je veux dire, dans Xenoverse 1, c'est celui-là, le fameux dont je parlais, justement. C'est celui-là. Je le trouve trop bien. Oula. Je vais faire l'ultime de Beerus aussi, attendez. Mince. Bon, alors. C'est ça. Mince. Il est tellement stylé ce qui quoi. Regardez-moi ça. Bon, c'est normal qu'il ne perde pas de vie, hein. Faut faire le lien. Thank you.
Mince, je voulais faire un Kikoa Kaioken. Enfin, Kamehameha. Alors ça c'était un mauvais timing, mais bon. Mince, j'ai pas assez d'endurance pour me téléporter. Putain, ça fait plaisir de rejouer hein. Oh oh. Xenoverse 2. Aïe 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 aïe. Ok, tu veux jouer à ça, on va faire une bataille de Kikoa Fino. Attrape. What the fuck? Ça a bugué, je crois. Enfin, pas... enfin, ça a pas bugué, mais... vu qu'il a changé de positionnement à la fin, bah... c'était bizarre, en tout cas. Hey, Jean Goku! Notre troll super ami! Mince, ah, je me trouve totalement de côté. Putain, mais... l'écran il saute tout seul, c'est quoi ces conneries? Oh! Oh, mais c'est chiant ça! Par contre, il y a un truc qui me manque beaucoup trop et je pense que c'est pareil pour un bon nombre d'entre vous. Vous savez, c'est les sortes de mini affrontements Kikoa contre Kikoa quand on le lançait en même temps. C'était tellement stylé ça! Merci. Ça, ça me manque trop, il faudrait trop qu'ils refassent un truc comme ça un jour. Sur un DBZ. Ça, c'était tellement stylé, genre Kamea contre Kamea, ou Ultime contre Ultime et tout. Enfin, c'était... ah, c'était le feu. Je peux continuer longtemps comme ça. Hein. C'est très simple. Ah, apparemment, il est pas de cet avis. En plus c'est grave cool qu'il n'y ait pas de, de pause entre les combats. Enfin tout s'enchaîne et il y a quelques petites enfin quelques petits trucs qui viennent entre chaque combat. Mais c'est pas genre fin du combat pour prendre en, dans 5 minutes autant qu'il y a un chargement et tout. Enfin ça coupe pas dans l'élan en fait. Et c'est cool. Aïe. Bon attends, on va voir si j'arrive à te faire mon Kikoa final. Oh oh. Ah bah voilà. Scoshiはマシな動きができるようだな. Yeah!
Allez, c'est parti, on va lui péter la gueule. Elle arrête pas de se TP, c'est chiant. J'ai plus d'endurance, je peux faire ce que je veux, c'est ma biatch. Enfin, c'était. Ouais, j'ai pas pu me dépêcher en fait. Mince. Aïe! Aïe. Bon, écoute-moi bien, toi. Je vais te calmer. Hop là. Oups. Putain, mais à chaque fois j'ai un mauvais timing quoi. Oui, encore ici. Ah, je me fais. Aïe. Coup de tête. Oui, tu l'as dit. Et donc là, il va y avoir un combat qui sort un petit peu de l'ordinaire. Vous allez voir, c'est spectaculaire parce que c'est trop beau, ouais. パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この鬼を呼んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は。 Et donc là, ce combat est un petit... Enfin, je crois qu'il y a deux phases. Il y a la phase comme celle-ci. Et après, il y a la phase avec Color en forme finale. Et... Pff, oh, les deux en même temps, c'est compliqué. Hein. Bon, bien sûr, Color est le frère de Freezer, hein, pour les gens qui ne seraient éventuellement pas au courant. Là, la musique est juste parfaitement calée en fait. Putain, mais comment il me snob, Freezer? Ouais, c'est de ce fameux moment dont je parlais. Là, on va en chier par contre. Là, si je réussis du premier coup, je me sens fort. Parce que comme vous pouvez le voir, il tanque beaucoup quand même. Il est encore en train de me snober, c'est pas possible ça. Oh, je m'y attendais pas par contre. Bon, il faudrait peut-être que je m'approche un peu plus pour le faire. Aïe. Je me suis retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Ah, je me suis encore trompé, quoi. Hop là. Ah,
easy comme on dit. Hein. Allez, next. Oui, 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 oui. Colère est plus dangereux. Hein. Enfin, moi je trouve. Mais arrête! Oh, je l'ai envoyé dans le caméra, c'était beau là, par contre. C'était stylé. Ne chargez jamais votre énergie devant un ennemi comme ça, parce que là vous vous donnez en fait. Vous faites jamais ce que je viens de faire, c'était débile. Aïe. Non, je suis concentré hein, parce que lui il est dur à voir. Oh, mais ça suffit, oui. Hop là, voilà. ただ最後の決着は俺につけさせて。ちんたら仕上がって、代わりに俺が片付け。 あのフリーザ相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごいことじゃぞ。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。ええ、トアとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。 ああ、お前もご苦労だったな。あれ？あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵。ミラ、あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。
いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。ま、今回はゆっくり休むとええ。次の任務の時まではな。Ah oui! Oh nice! Ah trop bien! On peut voler maintenant. Ah ça c'est trop cool par contre. Bon, eh bien à chaque fois en fait qu'on aura fait une partie du scénario, eh bien la musique changera et on aura accès encore à un nouveau truc. Du coup là on peut voler un peu partout où on veut et c'est franchement beaucoup plus pratique. Et du coup je peux aussi atteindre des endroits difficiles d'accès. Enfin de nouveaux endroits même, oui, parce qu'en fait dans ma tête je connais toute la map mais... C'est vrai que dans mon let's play, je voyais que ce qui était sur Terre, quoi. Donc du coup, bah, je vous montrerai ça dans un épisode suivant. Bien sûr, on continuera le scénario quand même, hein. Je veux juste vous montrer un peu ce qu'on peut voir comme horizon. Mais sinon, on continuera le scénario. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode numéro 8, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et à la prochaine. Allez, salut !